Barbara, aide-soignante en EHPAD, pour rebondir sur ce que vient de dire cette dame. Voilà, l'année dernière à Frontignan, pour ne pas les nommer, il y a 3 EHPAD, on a eu dans la mienne 2 clusters. Et ce que dit cette dame me touche énormément, parce que sur les décès qu'on a eus, voilà, il n'y a pas eu que des Covid, il y a eu des gens qui sont décédés, du manque d'amour, du manque de voir leur famille. Et ce qu'on fait, c'est absolument scandaleux. Après, je voulais parler à ceux qui sont vaccinés, parce que cette semaine, j'ai eu des collègues en contact. C'est pas parce qu'ils ont accepté 2 doses qu'ils sont obligés d'accepter la 3e. Et quand on me dit « continue à militer, c'est bien », ben, venez dans la rue aussi. Et voilà, ça, après, j'ai entendu aussi que l'hôpital est sous tension, on refuse les vacances ou on les rappelle sur leurs vacances. Ben, y a des soignants qui sont dans la rue, on est passionnés, on est prêts à bosser, il n'y a pas de souci, rappelez-nous. Il hein. N'y a pas de souci. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Et je rajouterai aussi beaucoup de personnes que j'ai entendu dire, ouais, nous on va se faire vacciner pour le boulot et tout, mais nos gamins, on n'y touchera jamais. Ben, n'oubliez pas ce que vous avez dit il y a quelques mois et voilà. Petite précision supplémentaire, alors pas pour les gens qui sont en face de moi, je pense qu'ils le savent déjà, mais pour ceux qui sont autour, là, vaccinés, j'ai entendu aussi cette semaine, je pense qu'ils n'ont pas tout compris, hein, donc une petite précision, on n'est pas contre eux, justement, il faudrait qu'ils nous rejoignent, parce que comme dit Antoine, on est là pour la liberté, et il va falloir réagir à un moment donné, voilà. On n'a rien contre les personnes vaccinées, on leur demande de nous rejoindre et de se battre avec nous. Parce que sinon, ça s'arrêtera pas de sitôt. Voilà. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Mon frère, c'est notre pays, celui qu'ils veulent mettre en poussière. Car si la liberté faillit, que deviennent nos droits, nos terres ? Ma sœur, c'est notre patrie, celle qu'ils veulent mettre aux enchères pour faire taire les démentis. C'est l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclore, de porter notre parole au front. Ils sèment la peur et le désordre, ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme, sur dans leurs bombes et leurs démences? Liberté, révolution, soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais.